être deuxième derrière celui de qui? Guy Lepage dit un jour, à Tout le monde en parle, qu'il ferait de l'ombre même au soleil. Ce n'est pas nécessairement gênant. En fait, Jean-François est l'incarnation même du vieux dicton qui dit que souvent l'élève dépasse le maître. Dans mon cas, c'est une évidence et je m'en réjouis. Je voudrais quand même glisser un petit mot politique. La politique, j'en mange, qu'elle soit américaine, canadienne ou québécoise, surtout québécoise. Jean-François a une démarche qu'il nous propose. Chasser les libéraux, réussir l'indépendance dans cet ordre. Selon moi, cette proposition est d'une logique implacable. Je comprends que certains soient pressés, mais si cet empressement nous fait rater l'objectif, elle sert à quoi? Ce qui compte, c'est de voir naître un jour le pays. Pour y arriver, il faut proposer aux Québécois une démarche qui soit claire, précise et atteignable. Selon moi, un seul candidat nous propose cette démarche, c'est Jean-François Lisée.